tu es en train de faire. Les piquants dessus. Alors, tu peux nous les montrer? Montre-les avec tes doigts. Vas-y. Ici. Ici. Donc, ça va. Quelle est la différence entre un piquant qu'on fait au stylo, par exemple ici, ou au feutre, et un piquant que tu fais avec du papier? Avec du papier, il y a du volume. Il y a du volume et ça pique vraiment. Il y a du volume. Tu as dit la réponse, c'est tout à fait ça. D'accord? Maintenant, est-ce que tu vas les laisser blanches comme ça ou tu vas, qu'est-ce que tu peux faire avec la couleur? Qu'est-ce que tu pourrais mettre encore? Un matériau qui existe, qui est agressif, qui pour faire des piquants très agressifs. Cherche différents matériaux. Avec quel matériau ou objet tu pourrais montrer des pointes qui sont vraiment piquantes? Un couteau? Oh non, on ne va pas venir du couteau. C'est fait avec quoi le couteau? Oui, alors avec quoi tu pourrais recouvrir ça? Avec le papier aluminium. Tout à fait. Tu vois, donc tu peux te servir des matériaux, de la couleur, de la forme, comme tu as fait dans ton travail, et du relief. C'est très bien. Continue encore plus piquant.